Bonjour à tous, c'est le Pirate et aujourd'hui, vous connaissez bien le principe de l'émission « J'irai dormir chez vous ». Aujourd'hui, nous nous trouvons en Bulgarie et nous allons essayer de dormir chez un habitant. Je ne sais pas si la population est accueillante ici. Nous allons voir, suivez-moi. Je me trouve actuellement devant une porte. J'espère que les habitants sont chez eux. Nous allons frapper pour voir. J'espère qu'ils vont m'accueillir parce que il commence à se faire tard et il fait froid et il pleut. Bonjour. Bonjour, étranger. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Voilà, je suis le pirate et j'aimerais savoir si je pouvais dormir chez vous ce soir, car je n'ai pas de logement et il commence à se faire tard. Tu m'as l'air d'être un pirate un peu timide, toi. Bah écoute, ma maison est ta maison. Par contre, j'espère que tu n'as pas peur des animaux exotiques. Des animaux exotiques? Je n'ai aucun problème avec ça. Allons-y. Hé frère! Frère, bouge de là, frère! C'est ma place, c'est mon lit! C'est ma place, c'est mon lit, bouge de là! Salutations, c'est le pirate et Malaika. Bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui, on a du mammouth divin, comme dirait un certain mammouth divin. Je veux bien sûr parler de ce monstre, la Jiren Ichibancho. Donc la version oversea, hein, version destinée à l'Occident. Elle est monstrueuse, la boîte, elle fait la taille des packaging comme pour la Broly Full Power qui est au-dessus de moi. Elle est vraiment monstrueuse. Je suis pas... un grand fan de Jiren, mais quand même, faut quand même avouer qu'il est badass dans le tournoi. Et puis ce corps monstrueux, et puis cette figurine, hein, je trouve qu'ils ont vraiment réussi quelque chose de badass. Donc on va découvrir ça ensemble, c'est parti. Alors voilà comment se présente la boîte, cette boîte énorme. Alors désolé d'avance si elle sort du cadre, en même temps, vu mon équipement, je peux pas faire autrement, donc désolé pour ça. Mais bon, vous allez déjà vous faire une belle impression avec sur la face avant des éclairs, on ressent l'aura de Jiren qui est en mode berserk. Donc, enfin, je sais pas comment il l'appelle, l'ultra instinct Jiren, je sais pas. Mais donc, c'est photoshopé avec du rouge qui se reflète sur lui, c'est vraiment très beau, hein, le packaging est monstrueux, comme le bonhomme quoi. Sur le côté gauche, on a Jiren de profil avec fond blanc. Comme je vous ai dit il y a deux semaines, cette série là c'est écrit comme en Dragon Ball, il n'y a pas le nom du personnage dessus. Sur la face arrière, vous avez Jiren sous un autre angle, pareil, photoshopé avec des effets d'éclairs et d'aura rouge. Et la face droite avec une photo gros plan de Jiren de profil. C'est une Master Lies, hein, j'ai oublié de préciser, je le précise pas souvent, mais les Master Lies sont généralement de très bonne facture. Donc voilà, on va ouvrir ça proprement et je suis excité parce que ça doit être monstrueux. Enfin, clairement, j'ai vu les vidéos de mes homologues et franchement ça envoie du lourd. Ah, plastique de protection. J'aime bien quand ils mettent pour les grosses figurines. Sortons le monstre! Oh là là, le colosse! Ça a l'air monstrueux. Putain, je suis comme un gosse là. J'ai envie d'arracher le paquet. Elle pèse son poids. Oh. Alors, je sais déjà, je vais vous prévenir déjà. Je sais pas où il est. Que. J'avais vu les vidéos de mes homologues et j'ai vu ce truc hideux. Ils font une superbe figurine et ils nous sortent un frigo, carrément, hein, la taille d'un frigo qui se met devant le pied apparemment. Et je sais dorénavant, je sais déjà de prime abord que il tient pas tout seul.
Alors laissez-moi la regarder là, comme ça. Ce Stremont, quoi. Putain, tu lui prends là sous les aisselles, là. C'est un beau bébé, hein. Il est monstrueux. Franchement, là, je suis comme un gosse. En fait, il a pas d'histoire, Jiren. Mais je suis comme un gosse, là, d'avoir ce gros jouet, là, dans mes mains. Si j'avais eu ça gamin, mais les mecs, je serais dans la cour de récré en mode « Eh, vas-y, Alexis, bam, bam, je le défonce, moi, ton Goku !» C'est vrai, non, mais il est trop badass, quoi. Qui est Alexis? Je ne sais pas. Non, il est vraiment trop beau. La structure du personnage, le body shape, j'adore tout. Les petites bottes là en mode lutin, là, moi j'aime bien, c'est assez drôle. Il y a tout qui explose, les muscles, les veines, il y a tout qui est dans l'extrémisme dans cette figurine. Le dos il est creusé, il peut te péter des noix entre les omoplates là, mais c'est n'importe quoi, c'est complètement démesuré. Mais je kiffe, hein. Franchement je kiffe. Est-ce que tu kiffes? Ça va, il est plutôt cool. Bon bah alors si tu kiffes, c'est cool. Mais je trouve qu'il ressemble un peu à un poisson. Tu trouves que ça ressemble à un poisson? Bah t'as pas tort, car l'amiral Bab me le dit tout le temps. On va la passer sous la caméra. Point de vue jointure. Qu'est-ce qu'on a? Eh bah c'est... bien fait malgré qu'il y ait une jointure là, mais elle est plutôt proprement bien collée parce que on dirait que c'est un pli du muscle. Pareil de l'autre côté, c'est plutôt pas mal. La tête, vous avez une jointure sur l'arrière. Bon après c'est un bloc hein, qui a été collé, donc ça passe un peu, ça passe aussi sous le menton là. C'est propre, c'est bien collé en tout cas. Elle est voyante mais c'est bien collé. Vous en avez une sur les trapèzes, mais pareil, c'est pas dégueulasse du tout. Sinon, le reste sur les jambes, non, ça a été moulé d'un seul bloc, on dirait. Il y en a pas là. Il y en a pas autour du. Il a des belles petites fesses, hein, le Jiren, hein. Bien musclé. Là, il skip pas le leg day. En fait, le truc, c'est que oui, il a des petites jambes, mais en fait. Les proportions sont bonnes, hein. Clairement, moi quand je le regarde comme ça, il est fidèle à l'animé, hein. Clairement, je trouve que... Parce que Jiren, dans l'animé, fait un peu plus petite jambe quand même, on va pas se mentir. Quoi d'autre? Non, bah voilà, pour les jointures, rien d'autre, quoi. Elle est nickel sur les jointures. Point de vue couleur, alors ce qui est bizarre, c'est que ça se voit pas sur vidéo, mais là, en vrai... il est violet, moi je pensais avoir un Jiren gris, d'ailleurs sur la boîte il fait vachement gris, quand on regarde, là vous pouvez voir, il fait très très gris, et bah, même sur le devant en fait, même sur le devant photoshopé, c'est un peu violacé quand même, mais là on a un Jiren vraiment violet, ça rend pas mal, disons que je m'attendais pas à ça donc ça surprend, mais ça rend plutôt pas mal, on a, donc il est un peu... Il est un peu grisonnant sur les surfaces des muscles et il est posé sur un fond violet pâle qui donne de beaux ombrages en fait, ça c'est pas mal. Quoi d'autre? Le pantalon gris, alors pareil, le pantalon moi je le voyais noir mais en fait il est plus gris anthracite avec un gris plus clair sur les surfaces, ça fait bien le taf. Il y a les petites égratignures là sur les genoux, bon juste là, il a dû s'agenouiller trop longtemps. Ouais, ça manque d'égratignure, en fait il est trop propre, il est vraiment trop propre. Quand je dis égratignure, je parle pas de sang, hein. Je parle vraiment égratignure un peu, le corps il est trop lisse, mais sinon très très beau, par contre il pèse son poids le bordel. Hein. Vous voyez, vous pouvez, oh, putain le dos de mammouth, comme dirait un certain mammouth divin, putain mais je... On chope tous tes mimiques, Marty, faut pas, hein, faut pas. Là, enfin, le t-shirt qui a explosé, alors on est sur un fond, une base rouge, avec du shadowing un peu noir, et ici et là, c'est pas mal. Le visage, bah, c'est la même couleur que le corps, hein, y a pas d'ombrage. Par contre, le regard prononcé, là, les yeux gris, un peu poisson, je trouve ça très joli. Du noir pour les pupilles avec un petit point blanc à l'intérieur, ça rend super bien. La mâchoire bien serrée, bien blanche, avec on dirait que ça, les dents sont à moitié pétées sur les côtés là. Pff,
c'est super bien fait, puis c'est bien bien creusé là, c'est propre, des belles veines là, regardez les veines là, on dirait qu'il va faire une rupture d'anévrisme quoi, tellement qu'il force quoi, il est constipé là le Jiren, les muscles sont monstrueux, si je vous prends le Broly à côté, mais le Broly à côté, regardez, le monstre à côté du Broly, mais putain il éclate Broly quoi. C'est des épaules, c'est plus des épaules, c'est des ballons de foot, quoi. Le mec est monstrueux, quoi. Il est monstrueux, regardez-moi les quadriceps, les bottes, on est sur un blanc avec des dégradés de gris clair, là. En dessous, c'est lisse, hein, mais bon, c'est pas grave. Il déboîte, hein. Franchement, je regrette pas. C'est un... Bah, disons que des Jiren, on va pas en avoir des milliers. Et là, ils nous en ont pondu un qui est monstrueux. Donc, les gants, on dirait vraiment des gants de cuir avec le tissu qui a été cousu là. Les doigts, les mains, c'est de l'ombrage gris clair, limite un peu bleu sur certains points. Là, regardez les os, l'ossature. Ah, il est très beau, hein. Franchement, clairement, je trouve que... C'est un perfect ce Jiren. Franchement, il n'y a rien à jeter dessus. Disons qu'il faut aimer le personnage par contre. Comme je disais tout à l'heure, je suis pas un grand fan de Jiren. Mais là, clairement, vous avez un Jiren badass quoi. Et donc voilà ce qu'on peut dire sur Jiren. Les biceps, hein, il a des putains de grosses veines énormes. Ah, il est vraiment contracté. Il veut démolir Goku, quoi. Ou alors Frieza devant lui, on sait pas, mais il a envie de défoncer du monde, quoi, ça c'est clair. Donc, grâce au maître du chantier, on va mesurer ce Stremont. Des pieds à la tête, à la pointe de la tête, on est à du 26 cm. Mais bon, après, c'est une figurine, en gros, qui... S'il se tient droit, il fait dans les 30 cm comme une Broly, quoi. Mais c'est parce qu'il est arqué, un peu comme Lozaru Vegeta. Donc voilà, il est très beau, en tout cas. Ah si, attendez, j'ai oublié un détail. Je sais pas pourquoi ça m'a pas sauté aux yeux, mais il est égratigné. Il y a une égratignure sur la joue. Bordel. Il a juste pris une petite gifle là. Et là, il a pris cher. Là, il a pris cher, le bonhomme. Donc voilà, il y a juste une égratignure ici, et c'est juste là où il a pris cher, c'est probablement le coup de pied... Qu'est-ce que je raconte? Ouais, je crois que Frieza, il lui met un gros coup de pied dans la gueule au bout d'un moment, et puis il se met à cracher. Donc voilà, ce qu'on peut dire sur ce Jiren, il est magnifique et monstrueux. Désolé Clem, qui est Clem? Un de mes abonnés qui m'a demandé d'offrir à mes frais... Une noix du Brésil pour Malaika. Je n'ai pas de noix du Brésil parce que j'ai oublié d'en acheter, donc elle aura une noix de cajou du Brésil. C'est déjà très bien. Tu t'es jeté dessus, frère. La dernière fois, elle s'est dit, ah, il m'a eu. Donc voilà. Nous voici sur la fin de la vidéo. J'espère que cet unboxing de fou vous a plu, car cette figurine est complètement folle. Hein. Il est monstrueux. Par contre, voilà quoi. Ce truc-là, c'est vraiment le point négatif de cette figurine. Mais pourquoi ils ont mis ça devant? Alors, c'est bizarre. Je l'ai mise à plat. Elle tient debout toute seule. Mais très vite, un coup de vent, tu souffles dessus, pouf! Jiren, moi, je lui souffle dessus, il se pète la gueule, quoi. Je respire trop fort, je l'avale, quoi. Donc, voilà, c'est le seul point négatif de cette Jiren, parce que moi, je la trouve excellente. Tout fait le taf, elle est vraiment parfaite, il est en position font caca, mais ça lui va bien, il est vraiment terrible, donc voilà, je peux que vous la conseiller, je pense qu'on peut encore la trouver en Ichiban Show, en Ichiban Kuji, je pense que ça doit dépasser les 100 €, mais en Ichiban Show, je pense qu'on peut la trouver encore dans une cinquantaine d'euros. Mais donc voilà, je vous la conseille, surtout si vous kiffez le personnage. Et un Jiren badass comme ça, je pense qu'on n'en aura pas de sitôt. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, les nôtres, comme Instagram, Facebook, Twitter et Utip, pour nous soutenir, moi et Malaika. Et je vous encourage fortement à défoncer le pouce bleu en mode super Genki Dama de la mort qui tue. Quant à nous,
On vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Walida! Walida! Tu sais ce que ça veut dire, Walida? C'est Jiren, il dit tout le temps ça. C'est fini. Walida. Et Malaika! Walida!